Du coup, bah, deuxième course de cette carrière en Malaisie après l'abandon malencontreux de la première course qui partait bien à Bahreïn, hein, on était premier, puis ensuite on était cinquième, puis ensuite on n'était pas plus là, donc on a fait deux tours en fait, hein, clairement. C'était pas trop mal, hein, malheureusement, bon, c'est clairement cassé la suspension sur Fisichella. Bon, bah, le classement, on l'a vu, hein. Schumacher, Raikkonen, Massa, Fisichella, Button, Montoya, Hedfeld, Alonso, pour ceux qui ont marqué des points. On rappelle, hein, que les 8 premiers marquent des points, et pas les 10 premiers comme maintenant. En constructeur, Ferrari est pas mal devant, McLaren, Renault, Honda et BMW ont marqué des points. Malheureusement, double abandon pour Super Aguri alors qu'on avait la pole. J'ai changé la difficulté, maintenant on est en difficulté maximum pour un peu plus de réalisme. Et bah maintenant on est en Malaisie, hein, Malaisie, circuit intéressant, circuit qu'on aime tous. Déception pour UJD, coup de théâtre au Bahreïn Grand Prix ce week-end, UJD a dû abandonner à la course à cause d'ennui mécanique. L'incident s'est produit au cours du tour 2, donc le mec a fait vraiment juste rien du tout, tout comme moi. Hein. Et a mis fin à tous les espoirs de victoire. Ah oui, oui, victoire, oui, oui, tous les espoirs de victoire de UJD, le pilote Super Aguri. Aucun porte-parole de Aguri n'était présent pour faire de commentaires au moment de la mise sous presse. Dommage, UJD aurait pu remporter son premier victoire sa première victoire à Bahreïn, c'est dommage. Pour revenir du coup à cette carrière, eh ben, on va partir en Malaisie, hein. Circuit que j'ai pas fait depuis un petit bout de temps, je vais pas mentir, à la Malaisie. Allez, quitte le garage. On va faire un petit tour comme ça pour voir. La Malaisie. Était bien ce circuit. Moi j'aimais bien les courses dessus. En plus on se levait tôt pour le voir, le Grand Prix, j'aimais bien. Petit réveil à 6h30 là. Rempli d'adrénaline. Le virage 1 et 2 qui se passait toujours avec pas mal de petits accrochages. Donc j'aimais bien. Et ouais, le circuit il manque. C'était pas mon circuit préféré sur le jeu F1. Mais en vrai il manque ce circuit. Il manque terriblement. Beaucoup trop freiné ici. Non, même pas. Même pas, Moonlit. Faut que je reprenne un peu mes repères dessus. Le virage est extrêmement compliqué en vrai. Celui-là et l'avant-dernier, ils sont très compliqués. Là, c'est à fond. Celui-là était en aveugle. Et la sortie, t'as vraiment l'arrière qui se dérobe. Parce qu'il est en montée. Il est tout en montée et il est vraiment dur à faire correctement ce virage. Là, bon, temps normal, le dernier virage est légèrement incurvé. Un espèce de petit banking. Inversé, c'est-à-dire que l'apex est plus haute que le reste. Mais non, sinon le circuit est sympa. Hein. C'est con qu'ils aient pas fait de contrat alors que... Bah... Mercedes était dominant et c'était là avec eux, quoi. Petronas... c'est Malaisie... Enfin, c'est la Malaisie, quoi. Donc c'est con que Petronas n'ait pas mis la main au porte-monnaie pour au moins faire en sorte que le circuit soit toujours présent, quoi. Bon, je mets 3 secondes à UJD. On va partir en qualif. Et bah, ma foi, c'est parti, hein. Oh, non, il pleut. Non, il pleut. Non, non, il pleut. Non, 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 mais je veux pas de la pluie, moi. Oh, non, il pleut. En fait, mais le jeu veut me chier à la gueule, en fait. Le jeu me chie à la gueule. Oh. Mamacito. Maman, on va jamais passer en Q2. Ouais, c'est prévisible, j'avoue qu'en Malaisie, c'est classique.
Mon chamois était pas mal. Le grip a l'air d'être quand même un peu présent. Mais tu es en tour de sortie! Il est en tour de sortie! Et je me suis fait dive par un mec en tour de sortie! Oh là là! Mais je me suis encore fait percuter! Mais il manque une roue arrière! Les pilotes bouclant actuellement un tour complet sont Jarno Trulli, Christian Klien, Jacques Villeneuve, mais je... Christian Albers. Eh, on pourrait sortir! Yuji Ide. Let's go, hein! Allez, je pense sortir! La voiture est réparée! Eh, c'était rapide les mécanos à l'époque! Allez! On va réussir à faire un temps de Q2. Un poil en Q2. Mais je me fais encore. Mais je me fais encore gêner! Mais les bots, ils veulent pas! Mais c'est tranquille! Bah ouais, je me fais déranger par les bots! Ils veulent pas! Ils veulent pas! Mais jamais je fais une 43! Nick Hedfeld achève son tour complet. Je suis dernier! Enfin, une 45, mais ça c'est à cause de Massa, ça. C'est à cause de Massa. Scott Speed réalise un nouveau temps au tour. Un résultat assez médiocre. Allez, il faut. Il faut améliorer. Encore casser la voiture. Yuji Ide boucle son tour. Nous poursuivrons dans quelques instants par la deuxième séance qui décidera des places 11 à 16. J'avais amélioré, j'avais une... T'en as saoulé. La merveilleuse ville de Kuala Lumpur pour le grand... Oh, me dis pas qu'il pleut encore. Sang se trouve à la périphérie de la capitale. Il a été conçu pour être un véritable défi pour les pilotes, avec de larges courbes. Mais c'est pas qu'il pleut encore. Rapides et des virages plus serrés qui permettent de doubler. Le Grand Prix de Malaisie est l'une des compétitions les plus physiques du championnat de F1. Mais c'est pas qu'il pleut encore. Les conditions météo sont parfaites aujourd'hui. Le ciel est dégagé et les températures sont idéales. Non, c'est bon. Sûr et en. Il a dit qu'il est sec. Les prévisions sont bonnes et les conditions ne devraient pas bouger pendant la course. Ça va alors, ça va. Bon, sois prudent dans les premiers virages. On a bien mis les couvertures, mais les pneus ne sont pas encore à température de course. Ouais, bah les couvertures n'ont pas beaucoup d'impact, hein, vu la température des pneus là, les gars. Vous pouvez voir en bas à gauche, hein. La température des pneus, elle est désastreuse. En ligne droite, fais zigzaguer la voiture à gauche et à droite pour chauffer les pneus. Ça t'aidera à prendre un bon départ. Allez. On a juste un pneu qui est chaud, c'est le pneu avant arrière gauche. Dans le reste, c'est froid, mais de fou furieux. C'est un peu désastreux, la température des pneus. Allez, c'est parti. Plus que quelques secondes avant le début de la course, on sent vraiment la pression monter. Et la course a commencé. Ah, du coup, maintenant, avec les pneus froids, ça va être compliqué au virage 1. Wouh! J'ai rien dit. Qu'est-ce que c'est que ce départ? On prend pas de risque. On est 15ème. OMG 15ème.
Oh, le dive. Bon, en termes de vitesse de pointe, j'ai vraiment l'impression qu'on se fait un petit peu déposer. Pas touché. Oh la vache. J'ai un tout petit peu de dégâts, mais ça ira. Au coup de titan sur Redfield, on va en profiter. Il freine comme ça. À l'intérieur peut-être. Faut pas qu'on commence à chauffer là. Je vais me faire déposer. Voilà à quoi ressemble la course après le premier tour. Massa occupe la première place. Faut que je fasse gaffe à chaque virage. Deuxième. Juan Pablo Montoya est deuxième. Oh le grip. Une place de moins que sur la grille de départ. Oh j'ai du grip. What? Ah vous me dites si je vous l'aime hein. What the fuck, c'est quoi ça? Ah bah je sais Jeff, merci. En fait j'ai beaucoup moins de vitesse de pointe que mais j'ai beaucoup plus de grip. Donne-moi ça. Ah, les bots ne me respectent pas du tout. Là, je vais me faire fumer en ligne droite. Regardez-moi ça, GP2 Engine. Encore une fois, c'est un moteur Honda, donc on s'étonne pas trop, mais... La balle perdue, gratuite. On en est au troisième tour de la course. Heureusement qu'il n'y a pas de DRS, hein. Oh, let's go. Non mais quel rabat-joie ce Jeff. 13ème place. N'excite pas trop, on doit terminer la course. Ah merci. Mais arrête Jeff, mais il a pas confiance en moi. Il a pas... Il a entendu ce qu'il a dit. Bah il avait pas tort. Non, me touche pas. Arrêtez de me toucher. C'est pas moi. Nick Hedfeld était là lui aussi. Heureusement, il s'en est sorti indemne. C'est pas moi. Arrête de freiner, Hedfeld, arrête de freiner. Arrête de freiner là, putain. Ça se passe à fond. Tout perdu mon avance. Là il va être lent. On va essayer de bien voir ça. Un accident s'est produit au virage 12. C'est Nick Hedfeld. La voiture s'en est sortie indemne. Le pilote a eu de la chance. Cet accident ne l'a pas obligé à quitter la course, mais il va devoir tout donner. C'est mon avion avant, il est rouge. Vous avez aussi été impliqué dans cet accrochage. Par chance, la suspension avant ne semble pas avoir souffert, mais l'aileron avant vole dans tous les sens et il va falloir revenir au stand pour le 7ème. Allez. Allez, mécano, super aguri. Faut faire un avance au stand rapide. Moins de 10 secondes, ça serait cool. Allez. Ça va dépendre de moi en fait. Ah merde! J'ai merdé. J'ai merdé, non, j'ai merdé! Oh le con, 18 secondes, oh le con! J'ai tellement merdé mon arrêt! On a rattrapé un peu Rosberg.
là, je vais pas y me faire défoncer par mon patron. Ils ont une vitesse de passage dans les courbes, elle est tellement lente. Elle coule tard à undercut tout le monde. Bon. Ah voilà, on a perdu vraiment beaucoup de temps. Bon, les points, c'est mort. Après, on verra. Je sais même pas s'il y a safety car sur ce jeu. Pourquoi pas. Donc, je peux même pas dire, ouais, go, les gars, on va faire une safety car. Enfin, on va faire une safety car. Non, ça n'existe pas. J'avais quand même 8 secondes de retard sur SL, on a plus 4 secondes 3. 2 secondes 8 de Hetfeld, ah oui, on a un bon rythme là. Hein. On a un très bon rythme. Pas que je fasse de la merde. Là, faut que je fasse gaffe au virage à droite. Il va ralentir devant, il va ralentir maintenant. Pareil ici, il va ralentir à la fin du virage. Non, 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 non. Putain. Putain. Oh. On a combien, là? 5 secondes. Oh là 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 là. Miséricorde. Bon bah objectif rattraper en 5 tours hein. Quatrième. Qui a l'huile. Oh, il y a une Ferrari qui a abandonné. Il était septième. Ah, je m'aurais abandonné. Il a progressé d'une place. Et voilà Trulli, 8ème. 15ème position. Schumacher a abandonné. Allez, on est plus qu'à 8 dixièmes de Rosberg. Tu viens de boucler le meilleur tour de la course. Bien joué. Meilleur tour en course. Alors qu'on a vraiment un moteur qui est pas foufou. On a rien vu. Si, on a vu. Une pena. Allez, faut que je passe Rosberg là. Oh, non, on a repli... Non, mais tu te fous de ma gueule. Mais à quel moment? Bon, c'est bon, ça troll. Ça troll. Ça troll, putain. À quel moment j'étais? À quel moment je spin ici là? J'aurais dû être bien plus haut que ça là, mais. Entre les bots qui me laissent pas de place quand il faut et moi qui, je sais pas, qui perds l'arrière quand il faut pas. La gomme de tes pneus commence à s'user et tu vas perdre de l'adhérence. Putain. Ah, j'avais un bon rythme, hein, j'avais un bon rythme. J'aurais pu terminer à 12-13.
Un peu chiant. Allez, on va se remonter quand même. Hein. 4 secondes en 3 tours. Deux dixièmes plus rapide dans la première portion. Non, 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 mais tu... Ah mais quand je roule seul, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais dès qu'il y a un bot devant moi, je sais pas. Voilà, non, genre... Je ne suis pas prêt pour ce genre de choses. Non, mais en tout cas, un live hebdomadaire sur la carrière, moi, ça me va. Et vous aurez des épisodes YouTube. Bah, tous les... Quand je pourrai. Je vais faire en sorte que ça soit des épisodes qui sont assez assez concis pour pas que vous soyez perdus. Enfin, il n'y aura pas un épisode qui va durer 3 heures quoi. J'essaie de faire un truc entre 20 et 30 minutes pour chaque épisode pour que ça soit bien pour vous à regarder, assez dynamique. Bon, Bahreïn, là c'est terrible. Là c'est terrible parce qu'on pouvait faire mieux. Hein. On pouvait faire mieux. Massa, Montoya, Raikkonen, joli podium. Barrichello, Fisichella, Alonso, Button et Trulli. Et Jacques Villeneuve termine 9ème. Et là, on avait le rythme pour être devant. De base, on était devant Coulthard. Hein. Et le seul mec qui se fait prendre un tour, c'est mon coéquipier. Tout ça en 18 tours. Bien joué à toi. Bien joué à toi. Bon, pour le championnat pilote, Massa lead le championnat. Devant Raikkonen, ainsi que Montoya. Donc Schumacher, du coup, vu qu'il a fait que 10 points, il est 4ème. Que dit la boîte de réception ? Performance récente. Nous sommes ravis de voir que vous exprimez tout votre potentiel. Vous êtes un élément crucial pour l'écurie Super Aguri F1 Team. Yuji Hide a le plus grand respect pour vous. Et le moral de l'écurie est au beau fixe. Bravo, Franck. De rien, soldat. De rien. En termes de news. Super victoire pour Felipe Massa après une bataille acharnée au circuit international de Sepang. Felipe Massa a passé à la ligne d'arrivée et également et en première place. C'est la preuve du bon fonctionnement de la stratégie, un arrêt. Felipe Massa aurait dit que c'était une course qu'il n'était pas prêt d'oublier. J'ai l'impression d'avoir entendu ça quelque part. Mais contrasté avec le problème moteur chez Michael Schumacher. Un Michael Schumacher frustré a été contraint d'abandonner la course ce week-end au circuit de Sepang. Une panne moteur a mis fin prématurément à sa course au tour 12. Le pilote a commandé plus tard lors d'une conférence de presse. Je suis évidemment déçu, mais ce sont des choses qui arrivent. C'est tout pour ça, pour ce live, pour cette vidéo. Donc voilà, merci à tous. Passez une bonne fin d'après-midi YouTube, et pour la prochaine fois. Puis moi je vous dis à la prochaine fois. Salut YouTube, des bisous.